la jambe. Esteban, j'arrive plus à bouger. Esteban, j'arrive plus à bouger. Viens m'aider. Vite, dépêche-toi, s'il te plaît, là. Je vais pas tenir longtemps ici. En plus, il commence à pleuvoir. Non, c'est pas possible. Lyra, je t'avais dit de pas faire du skate comme ça quand... Je suis désolée, là. Quand il pleut. Oh, c'est pas possible, ce truc. Non, mais t'es sérieuse. En plus, ça glisse ici. C'est pour ça que j'ai glissé, là. Attends, montre-moi ta jambe. Aïe, 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 ça fait vraiment mal. Ah non, mais là, c'est cassé, c'est sûr. Faut vraiment qu'on aille chez le médecin ou à l'hôpital, là, très très vite, dépêche-toi. J'ai pas envie de regarder ça, mais là, on sent l'os qui est parti et tout. Ah, oh, ça s'est totalement déboîté. Oui. Oh, bon, vite, là, emmène-moi à l'hôpital ou appelle un médecin. Je sais pas, t'as ton téléphone? Allez, donne-le, on va appeler les urgences. Vite, dépêche-toi. Oh, c'est pas possible, en plus, il commence à pleuvoir. Allô? Allô, allô, oui? Est-ce que vous pouvez nous envoyer une ambulance au 5 rue des Princesses, oui? À Lille? Ok. Ok, ça marche. Ok, ils arrivent tout de suite. Ça marche. Bon, t'inquiète pas, Lyreuse, ils arrivent tout de suite. Oui, bah j'espère qu'ils vont se dépêcher là. Par contre, ils m'ont dit qu'il n'y a qu'un seul hôpital de disponible en ce moment. C'est le pire hôpital, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Ils vont bien te soigner. Allez, attends, je vais essayer de te porter. Ce skate là, de malheur. Attends, attends. Mais t'es trop lourde. Je peux pas te porter. Attends. Aïe, aïe, ma jambe. C'est pas grave. Bon, t'inquiète pas, on va se débrouiller autrement. Oui, bah dépêche-toi. Allez, vite. Ah, mais pourquoi tu t'es fait mal? Mais j'arrive. Aidez-moi. Il faut que je fasse de la musculation. Ah ouais. Attends, attends. Allez, rentre dedans. Ah, oh. Oh, j'en peux plus. Ah, j'ai dû la porter pendant 50 mètres là. Ah non, reste dedans, reste dedans. Bon, les amis, on va aller à l'hôpital. Sauf qu'apparemment, c'est le pire hôpital de France. Bon, on se retrouve devant la porte. T'es sûr que c'est bien comme béquille? T'inquiète, c'est très bien comme béquille. Bon, allez. Donc, ça doit être ici. Oh non, attends. C'est quoi? On m'a dit le docteur Foufou, c'est où? Bah, c'est là. Attends, c'est là? Non, c'est là. Ah, oui, c'est écrit. C'est bizarre par contre ça. Ah ouais, ça. On dirait vraiment un truc fait à la main. Bon, c'est pas grave. Attends, attends. Ah, mais. Pose ça comme ça. Attends. Allez. C'est Lily Rose pour le rendez-vous de 14h. Ça a pas l'air de répondre, hein. Bon. Bon, vas-y, on rentre. Ça tombe, il s'est endormi sur son bureau. Allez, vas-y. Monsieur, il y a quelqu'un? C'est quoi ce médecin? Mais c'est quoi ça? Mais je t'avais dit que c'était le pire hôpital de France, mais... Attends, vas-y, on devrait rester en salle d'attente. Oh ouais, t'as raison. Vas-y, on va rester ici. Purée. Normalement, une fois qu'il a terminé sa sieste, il sera là pour te soigner. Ouais, bah j'espère, parce que là j'ai vraiment mal. Ouais, 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 bah moi j'ai vraiment peur. Hein. Ouais. Je pense pas qu'il faudrait le réveiller. Bah si. Mais vas-y, parce que moi j'ai trop peur là. Hein. Ok, vas-y. J'ai vraiment très peur. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? Enfin des patients. Alors, ça fait long, ça faisait longtemps. Qu'est-ce qui vous arrive, jeunes gens? Ah, mais c'est quoi ça? Pourquoi? Pourquoi il a un serpent autour du cou? Oui, Maurice. Comment ça c'est Maurice? Enlevez-le s'il vous plaît. Bon, je vais le déposer parce que... Reste là tranquillement. Bon, qu'est-ce qui vous amène? On n'aime pas trop les... Je suis tombé. On n'aime pas trop les serpents. Ouais. Bon, et comment ça tu es tombé? Bah, j'ai très mal à la jambe. Et comment tu t'es fait ça? En skate. Ah, en skateboard? Non, mais ça va pas faire du skate comme ça? Ouais. Et t'as pris ta température au moins? Je pense qu'on va prendre un petit médicament anti-douleur et ça va passer. Je vais t'ausculter. Non, ça va passer tout seul. Sors d'ici, Lily. J'ai pas besoin d'auscultation. Attention, c'est fragile, hein. Mais mettez-vous debout. J'ai pas besoin de tout ça. Mettez-vous debout.
Et mettez la blouse pour que je vous auscute. Voilà. Mais dans quel truc de fou je suis tombé? Bon. De comment ça, je suis fou? Non, 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 vous êtes pas fou, vous êtes pas fou. Bon, écoutez. Allez, asseyez-vous. On fait ça très rapidement, mais moi j'ai rien à la base, hein, j'ai pas de problème. Restez hein. Là. La température. C'est quoi ça? Alors, vous avez combien? 37, ça va très bien. Oui. Bon. Alors, vous m'avez dit, vous avez quoi? Mais moi, ça va, j'ai rien. Bah, qu'est-ce que vous faites ici alors? Je sais pas. Hey, revenez. Qu'est-ce qu'il y a? Et regarde! Mais si, c'est des malades! Revenez, revenez! Bon, tant pis, ils reviendront plus tard s'ils ont envie. Oh là là là, j'étais en train de faire une sieste, moi! Et on m'embête! Oula! Non, mais il est totalement fou! Ouais, bah ouais, je vois bien ça, mais on est un peu obligé d'y aller parce que sinon, comment je vais me faire soigner? Oh, mais je lui ai dit que j'avais rien, il m'a mis un thermomètre sous le bras. Mais il est gentil! Il voulait me donner des médicaments. Mais il est gentil, il veut juste que t'ailles bien! C'est le pire hôpital de France, je suis sûr qu'il a tellement. Qu'est-ce que tu racontes? Non, non, bon, non, pas tout de suite! Il a tellement pas de patients qu'il s'acharne sur tous ceux qu'il trouve. Oh, mais moi j'ai super mal à la jambe et au moins il va me trouver un vrai truc, il va me soigner. Bon, bah écoute, enfile ça. Ah, moi il n'y a pas question qu'il me soigne. Et toi, tant pis, hein, si tu veux te faire soigner par un fou comme ça, un frappadingue là. Allez, ouais, d'accord. Vas-y, mets ça. Mais là, il est reparti dormir, je pense. C'est pas grave. D'abord, avant de te faire soigner, on va regarder ce qu'il y a dans son cabinet parce qu'il y a des trucs très très louches. Allez, okay. Vas-y, tout doucement, tout doucement. Oh, ma jambe, je redors. Ah, j'ai trop mal. Allez, et doucement. Allez, vas-y. Hop. Bon, il est en train de dormir. Bon, attends, je vais fermer la porte. Surtout, le réveille pas. Sous aucun prétexte, tu ne le réveilles. Allez, attends. Tout doucement. Ah, mais regarde, il y a des trucs horribles. C'est quoi ça? Mais attends, mais c'est une souris. Mais c'est une souris. C'est une souris dans du formol. Il y a des virus. Mais il y a des virus. Non mais tu te rends compte et tu veux te faire soigner par lui? Bah écoute, il a l'air passionné par son métier. Oui bah il a l'air passionné mais moi je suis pas un cobaye. Regarde, il y a des affaires. Ah mais c'est bon. Bah mais même ça, mais non mais touche-le, ne touche pas, ne le touche pas, c'est horrible. Monsieur. Non mais pourquoi tu te réveilles? Qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, vous êtes là? On est revenu. Ah monsieur, bah c'est comment tu t'appelles? Lily Rose. Finalement, je vous ai trouvé une patiente qui a un vrai problème. Oui. Parce que moi, bah, c'était toi qui avais mal au genou. Oui. Assis-toi. Finalement, moi, ça allait très bien. Calme-toi. Bon. Tout va bien se passer. Écoutez, je vous la laisse. Hein. Oui. Je vais écouter ton cœur. Moi, je vais en salle d'attente. Mais c'est pas là. Je vais en salle d'attente. Alors, ton cœur, il est où déjà? Bah, j'entends rien. Ah, bah, c'est normal. J'avais pas branché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien. Vous faites un peu n'importe quoi. Le cœur, c'est pas là, ni là, ni là, ni là. Ah oui, c'est vrai. Oula. En fait, ça va aller, je pense. Tout d'un coup, j'ai plus mal. Non, non, mais... C'est quel genou que t'as mal? Monsieur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Vous avez pas compris. Elle s'est cassée la jambe. Ah oui, c'est vrai, t'as fait du skateboard et puis... Elle s'est cassée la jambe en skate. Ah, attends, j'ai un remède. Du coup, alors... J'ai un remède. Oui. Attention, il y a mon serpent. Ah, j'ai trop peur, votre serpent. Oui, alors, laisse-moi, c'est moi le professionnel. Je suis professionnel en médecine. Je pense que je suis docteur. Non, je pense que vous devriez faire une radio. Voilà. Une radio. Voilà. Non, oui, c'est vrai. Voilà. Ma radio, elle est où déjà? Elle est là. Alors, t'es prête? Oui, allez-y. Alors, normalement, c'est comme ça, voilà. On passe comme ça. C'est la nouvelle technologie high-tech. Là, j'ai jamais entendu parler alors, de la technologie. Hein. Est-ce qu'on voit? Ah, bah, c'est vrai, regarde ton cubitus. Oui, effectivement, on voit ton radius qui est sur le cubitus, qui est un petit peu mal en point. Lily Rose, je vais te faire une petite... Non, ça va aller... Un petit médicament, alors... Non, c'est bon. Vous avez trouvé le problème? Oui. Ah bah nickel, voilà. Il suffit de faire un pansement et de rester au calme pendant une bonne semaine. Mais il faut rester allongé comme ça, en regardant, Pink Lady Vidéo à la télé. Est-ce qu'on pourra prendre le fauteuil roulant? Ah bah bien sûr, je le loue, c'est loué pendant une semaine, environ 10 euros. Ah oui, bah c'est bon, on va le prendre, allez. Bon, allez, je t'aide. Non, ouais, ça va aller.
Faites votre remède là D'accord, je vais te préparer de la pommade. Allez, et oui. Tu l'appliqueras sur ton genou, d'accord? Allez, c'est bien. Allez. Bon, Lily, attends, Non, voilà, vous nous enverrez ça par la poste. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Oh là, attention. Vous nous enverrez ça par la poste, hein. Allez, oui, la pommade. Allez, attention. Allez, c'est bon. Pas sur mon pied. Pardon, je voulais pas vous offenser, monsieur. T'es fou. Oui. Et surtout, fais attention en roulant, hein. Oui. Prends pas les pentes ou les escaliers. Allez. Oui, à la prochaine, hein. Attention, mon bras. Oui, allez. Ce médecin, plus jamais j'y vais. Non mais heureusement qu'il nous a prêté un fauteuil roulant, parce que là imagine s'il avait utilisé son truc là, son remède. Ah ouais. Bon, on va utiliser le fauteuil roulant pour aller dans un autre hôpital. Et j'espère... Vous avez pas oublié ça? Oui, allez, vous inquiétez pas, on a... Oui. Attends mais, comment il a un os lui? Oula. Bon. Ouais non, en fait on va vraiment pas y retourner. Je pense qu'on va pas retourner dans cet hôpital, sauf si on est vraiment obligé. Bon les amis, on retourne à la maison. Évitez d'aller dans l'hôpital du docteur Foufou. Oui. On sait pas ce qui peut se passer. Mais bon. J'ai oublié de prendre ta température. Non, ça va aller, plus tard. Mais bon, on va essayer de faire passer des bonbons dans son hôpital. Ça peut toujours servir. À la prochaine.